Les règles les plus importantes, le jeu commence par un tirage au sort. On peut faire comme ça par exemple. Celui qui gagne peut choisir, peut décider sur le service. Il peut servir lui-même ou il peut donner le service à l'adversaire. Ou il peut choisir la place où il veut commencer à jouer ou donner ce jeu à l'autre. L'autre a le choix opposé. On joue toujours deux services après un changement jusqu'au score de 10 partout. Là, on change le service après chaque coup. Normalement, on joue à 3 sets gagnants. Il y a un changement de côté après chaque set et aussi au cinquième set quand le premier joueur arrive au score de 5. Les règles essentielles pour le service, il y en a beaucoup. Il faut servir derrière la ligne de fond. La balle repose sur la main ouverte, elle va être lancée visiblement et je n'ai pas le droit de cacher le service. En ce qui concerne le côté du relanceur, il n'y a pas de prescription, même s'il y a des mythes qui sont faux. Je peux servir par exemple le court. Je peux servir sur le bas-côté ou je peux servir parallèle.